était russe, Léo. Oh! J'ai déjà vu quelque chose de semblable arriver. Pitch NDL aussi, ça peut jouer si vous voulez. Pitch NDL. C'était où, il y a un petit lit dans ça? C'est bon, ça. Oh! La douleur extrême! Ça, ça fait vraiment mal, ça. Genre le DI into DI. Ouais, il marche, mais ben, le micro marche. Bon, on va peut-être pas chaud de le mettre genre sur ta tête, sinon ça va être pas chanter en marche. Ah, peut-être qu'ils vont t'entendre, peut-être qu'ils vont t'entendre. Yo, what's up? Ah, oh, bon, ok, ça marche. Oh non, c'est correct. Ah. Ouais, c'est ça, tombé dans ma bouche. Ça va être dur à te faire venir, mais en ce moment, pendant qu'on regardait pas, Stéo qui s'est fait un peu ramener ça. Il y avait un petit lead qui a resté, il s'est fait dans le Joe Tipper, puis il était rendu à 42, puis il est mort parce qu'il a dit mal deux fois. Let's go, Zane. Ouais, je veux dire que Drew, il y a un lead confortable en ce moment, mais c'est jamais très confortable comme pop. Il n'y a pas de lead confortable comme pop, c'est ça. Il peut se faire CC un fair en ce moment pis il est en rest. Ok, peut-être pas en ce moment, on s'en fout parce qu'il est en 50. Là, s'il se fait CC un fair pis c'est un rest, quand même sad. C'est comme contre Climber, quand ils sont autorisés à Wobble, là. Ça c'est. Il n'y a pas de lead contre Climber, donc tu fais attention tout le temps. Ouais. Le Sinana est quand même dans correct. Tu fais juste ça. C'est quand même top d'avoir des rests dans ce match-up là comme des bons rests. T'es sûr que tu peux fucking shield un F-Smash pis rest ou genre. Quand on se fait un grab, puis reste. Ah. Mais sinon, le setup c'est vraiment tough. Genre, disons, sur une plateforme, tu shield un up tilt, puis tu rest. Ben, shield drop rest. Ah ouais, ça j'aime ça, ça. En bord edgeguard. Ah ouais, attends, ils vont chercher avec le fer, puis ils grab le edge comme ça, j'aime vraiment ça. Ouais, moi, si j'avais fucking bar dans même. Ça aurait pu kill en plus, si c'est la hit. Ben, kill. Ça aurait fait que tu pognes un reverse hit, ça aurait été. Oh! Comme on disait, comme tu disais, il n'y a pas de lead confortable. Ouais. Contre Puff. Tout le lead n'est pas confortable. Ça semble les stocks ont disparu vite, je m'en souviens pas en tout cas. C'est fait tuer une couple de fois. Mais c'est fait tuer la dernière stock, c'est sûr. Mais les autres stocks, je me rappelle même plus ce qui s'est passé, c'était tellement rapide. Je ne sais pas. C'est comme moi, si j'étais de rouge, je serais. Mad. Très pas content en ce moment. Ça, c'est la seule affaire, c'est que ça joue sur le mental aussi. Là. Faut que tu reviennes dans la game. Un peu, juste un peu, oui. Ouais, moi je serais juste fucking pisse. Hein. Ouais, ce serait compréhensible. T'apprennes que. Genre, être solide mentalement, c'est quand même une très. C'était ballsy. Ouais. J'aime ça. Mais être solide mentalement, c'est quand même très important. Tu sais que genre fucking Axeman, genre. Qui perd. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais. Oh, what a tech. C'est quand même un bon control, mais ça c'était pas. Il s'est encore smash, puis il meurt. Oh, il croit qu'un rush en snap. C'est genre, c'est tough pogner un rest, à part genre les bullshit, là. Genre ça. Ouais. Parce que je trouve que pogner un up air sur Marth, c'est quand même wack. Parce que genre, falling up air, t'as comme plein de choses avec Marth qui bat ça. Oh, oh ouais, il faisait quelque chose, mais il a eu pareil en quelque sorte. Mon Yoshi, c'est vraiment la map que tu veux avec Marth. Marth. Tu prends ton petit stepper, pis genre, salut, bonsoir. Ouais, Théo qui fait encore cette guard là, c'est quand même bon. Ouais. Moi, en tout cas, en tant que Luigi, je me suis fait faire, pis je me suis attendu une couple de fois. Ça a pris longtemps, mais ils ont appris comment edgeguard Luigi, les deux pubs de Québec. Je m'inclus plus dedans, parce que c'est ça. Ouais. C'est chico. C'était basé comme grab en plus sur le slam de Yoshi Story. On appellerait ça. Ah, il devrait lui dropper plus rest. C'est quand même bon ça, c'est de dropper faire un fair graver l'edge. Il après ça. Ouais, l'edge c'est bon fair, c'est vraiment bon. Genre, il peut faire ça. Ouais, il pensait qu'il y avait plus de temps. Ah, il y a assez de tech. Il y a assez de tech encore, mais c'était. Ouais, c'est rip parce qu'il y a le plus drôle. Oh! S'il y avait DI comme du monde, il aurait survécu, mais il s'attendait à un taper probablement. Let's go through. Moi
pas demandé la première fois que j'ai joué cette map là contre Armart en étant puff. Là. C'était contre Fredazzo, puis il m'a F-through jusqu'au bord du stage, puis ensuite il m'a tipper. Ah. Ça, c'était ma première expérience de puff Mart quand je commençais à jouer. Puis j'étais comme, ouais. Ouais. Faudrait que je joue DI. Je sais pas c'est quoi DI dans ce là quasiment. Ok, ouais, ouais. Mais je trouve qu'il essaie de Ledge Dash, c'était genre assez dangereux, puis il était bon pour ça. Ben c'est que Ledge Dash avec Puff, ça donne une illusion que Puff est comme sick. Ou que le joueur de Puff ouais, est ouais. sick. Ouais, I can see that, mais là-dessus c'était vraiment high risk, low reward de faire ça, je trouve. Je sais pas si t'as vu ce que Hungrybox fait quand même contre Mark, ce qui est sick. C'est quand il fait le. C'est l'Invincible Fair là. Ouais. Puis après ça, si genre le Mart il a bien à travers, à place de juste essayer de faire une option, il va signe. Ce qui garantit comme. Après, parce que le gars oui. il a sleep là. Ouais, ouais, je trouve ça vraiment big brains. C'est pour ça que tu sleep avec Puff. Ouais, ouais. Tu le sais pas vraiment à part pour Grand Blood Edge. Ah, c'est vrai, je me rappelle de ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Oh, les deux double. Ah, les deux ils se fair sur le bord du ledge, les gars de fair. Les deux, c'est genre des. Tu sais, les reverse fair avec Marth, c'est moins cool. Oh, ouais. Mais c'est plus cool que les reverse fair de Puff. Oh, ce move là pour Phantom. C'est pas sûr que ce move là hit pas, mesdames et messieurs. Bon, c'est qui montre que Switch à Fox c'est une mauvaise idée parce que Mart est fucking bon. Just saying. But like, fuck Mart. Fuck Mart. Je vais me perdre contre Drew. Ouais, Drew est quand même solide, pardon. Non, il est quand même solide. Il est quand même très solide. Mm-hmm. Juste des fois, c'est tough de rester smart contre. Ben, pas smart, mais quand même. Pas tilt contre Puff, ça. Jigglypuff, the Jigglypuff. Ça date de. Drew, il recover quand même très très late à chaque fois, pis on dirait que c'était aussi fait avoir à chaque fois. Je peux pas le dire trop fort parce que je prends pour tout. Je suis biased. Ok, nice. Ouais, Smash. C'est un best of 3 step. Non, c'est un best of 5 ça. Fuck. Ok. Oh! Oh, oh he's dead! Retourne en bas. Down there. Ouais. Oh oui! Je disais, il se dit, mais il a failli pouvoir revenir pareil. Oh, il pouvait clairement revenir. Hein. Il y avait un autre jump après ça. Ah ouais! Je suis pas mal sûr qu'il y en avait un autre. Ouais. Là-dessus, si ça avait été un stage un peu petit, ça aurait pu être dangereux, mais bon. Ouais. Le problème avec ce stage-là, c'est que. Ce qui m'est déjà arrivé, c'est que j'avais fait de quoi dans le genre. J'étais fait lancer, j'avais mal d'IA, je m'étais fait TP, j'avais mal d'IA, mais j'étais sur Dreamland, j'ai mis ça tout de suite après, puis c'était la seule façon que je pouvais revenir. Let's go! Ah, je pense que ça allait kill avec un tipper, ça allait être étonnant. C'est Tinea. DIA. En fait, faut vraiment avoir peur de DIA les hits de merde, ça sera pas trop dans fair dans rien. Ouais. D'où ce jeu-là, il peut-être avoir au début, mais. Il est nice, il est survenu. Un petit jab dans l'œil. Oh! Mark qui kill son jeu, man. Let's go, Mark. Attends, je me demande parmi les matchups top tier, c'est quoi les maps les plus unfair, genre dans X matchup? Genre, on sait que. Ben. Je sais pas si tu le sais, mais Bowser Sheik sur Eddie, c'est horrible pour Bowser. C'est censé compter comme 100-0 pour Sheik. Mais tu sais. C'est vraiment ça les maps de Mario quand même, là. Tu peux. Dépendant du matchup, tu peux dire, genre, lui, toutes les maps sont fucking bad. Sauf comme. Battlefield, tu peux dire genre, ok, c'est quand même une bonne map. Ouais. Mais même là, genre, quand t'es Spaces, genre, en fait, n'importe qui, quand tu te fais genre, fuck par Battlefield, hein, tu iras pas l'edge. Genre, toutes les maps de Melee sont unfair. Dans certaines situations. C'est un peu sad des fois. Ouais, tu sais, quand t'es un Falcon main, t'es genre, mode counter pick à Battlefield. Ouais. Moi t'as des spaces. Ouh! Quand t'es spaces, tu peux être sur LD, puis là c'est comme grab, die. Ouais. T'en as des maps, c'est genre polarisant. Là. Quelqu'un qui est sur Dreamland, il est comme là. Mon épée serait en bas, hein! Ça, c'est une autre situation, comme je disais, de. Là où il y a pas fucking longtemps. Oh! Il a réussi à. Il avait spot dodge pour éviter un grab. Le drôle avait read, il a essayé de grab, mais il a manqué de spacing. C'était pas plus juste smash. Ça close. Garde le spot dodge. Still. Drew, il...
vraiment bon aerial, genre, tu sais, en plein avec un fair, il a jump juste pour pas se faire grab, il revient avec un autre aerial, tu sais, c'est quand même très safe, il peut pas se faire grab en ce moment, c'est safe ici, c'est grab, c'est pas une mort, early, là. Oh, ça, j'aime ça, ça. Let's go, garde le spot dodge. This is the smash with Smith. Ah, ouais, la smash with Smith, il garde le spot dodge pour aller dedans. Je pense qu'on spot dodge, mais le spot dodge en général c'est beaucoup quand même. Ok. Tu peux air dodge into spot dodge, pis t'es comme littéralement invulnérable tout à l'heure. Oh ouais! Ouais, drôle. Enfin, air dodge into spot dodge. Oh, ben t'as réussi à être guard. Quoi qu'il ait fait pour que ça soit moins. T'as moins d'invulnérabilité quand tu le fais, je pense. Okay. Je pense qu'il y a une patch, je suis pas sûr. J'espère que oui, parce que. C'est pas que non. Je suis pas assez ultimate. Oh, je te pose la question, je joue pas vraiment dans ta intimate, mais je sais pas grand chose. Je... Tout ce que je fais, c'est genre par le fan. Okay. Le fan, c'est mon joueur de semaine. Oh, il a tech. C'est pas un. Le swag. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'aime ça tech, ça. Ah. Il serait pas allé loin, là, si c'est à 0. Ouais, pis en fait, c'est vrai, t'as raison dans, ce point, dans cette situation-là. Mars, c'est quasiment mieux pour lui que pour follow-up sur un Axel Tech que ouais. Sur un. C'est juste sur un DI régulier. C'est genre, ça te met en plus de lag, t'as plus de chances de faire grab. En fait, c'est quasiment garanti de faire grab. C'est vrai, c'est une situation de même où s'il arrive pas dans sa tech, mais il se fait tout le temps pogné, pis les gars montent jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini dans sa tech. Ouh, on est rendu au pourcentage, c'est le downer de Puff, il fait des mini spikes. Mais bon, Steve a choisi la cool life. Ouais. Tu vas peut-être le regretter. Timing de dos, j'ai fait unfortunate. Oh! Je pensais qu'il avait smash. Moi j'aurais eu smash. Ah ouais, il a hit. C'est un hit. Mince pour voir. Steo va gagner ce game. Hein? Steo va gagner ce game là. C'est le call là. Ouais. Ok, là ça va se correct. J'ai pas mis d'argent là-dessus. Steo va gagner la game qui va jouer contre Drew dans 50 weekly. Ok. Comme moi je vais jouer mon match. Non, c'est vrai, faut que tu dis, je parlais pas de cette game là. Je parlais de celle qui va se passer plus tard.